Eh bien, salut à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Alors on se retrouve pas vraiment sur Fortnite, je vais vous expliquer. J'avais fait une partie 1 sur ma chaîne YouTube en vous présentant le message comme quoi nous pouvions jouer avec des joueurs d'autres plateformes que j'ai fait il y a pas très longtemps, il y a une petite semaine de cela. Et donc vous avez été, quand je tourne cette vidéo, 500 à l'avoir regardé, vous étiez très très content, il y avait 40 likes et tout ça, vous étiez vraiment chaud pour qu'on en refasse une, et on m'en a beaucoup demandé en commentaire. Donc je vous en refais une maintenant que je sais vraiment et que je pourrais bien vous expliquer, ce sera la dernière vidéo à ce sujet. Donc en fait vous allez avoir ce message aléatoirement, tout le monde ne l'aura pas finalement, il y a des joueurs qui l'auront et d'autres non, et pour l'avoir je vais vous montrer comment faire juste après, vous inquiétez pas. Juste avant, en gros, il va falloir appuyer là, vous voyez là, sur votre bouton. Après ça dépend de qu'est-ce que vous avez, en gros vous allez à droite quoi, et vous allez sur Ami Epic Game, comme vous le voyez là, vous appuyez sur A, tout simplement, et donc là vous avez vos amis Epic Game qui s'affichent juste là, sauf que vous, dites-vous que vous n'allez pas avoir ça directement, ils vont vous afficher le message que j'avais dans ma précédente vidéo, où ils demandaient si vous étiez bien d'accord de faire ça sur une autre plateforme, etc. Donc là, demande d'amis, j'en ai une, on va regarder ce que c'est. Voilà, c'est cette personne qui m'a demandé, et là je peux décliner, bloquer, rendre muet ou accepter tout simplement. Je vais l'accepter histoire d'eux, je sais pas qui c'est peut-être un abonné. Et donc du coup vous voyez on peut faire ça. Après on a masqué les mots, on a vraiment tous les paramètres par rapport à ça. Ça c'est les joueurs que vous aurez en fait sur PC, parce que je vous explique, d'Xbox One vous pouvez jouer avec les joueurs PC, et de PS4 vous pouvez jouer avec les joueurs PC, et de PC à PS4 et PC à Xbox One, et aussi vous pouvez jouer avec les joueurs sur téléphone mobile par exemple, voilà, donc c'est ça les nouveautés, et vous le verrez ensuite ici en voyant combler avec, en fait ça va s'afficher ici, voilà, attendez, tac, focus. Voilà, comblé avec même plateforme finalement, ce sera avec PC, avec, joueur PC, joueur mobile, des trucs comme ça, et avec joueur contre, etc. Et ça va vous faire ça finalement, donc ce sera pas plus compliqué que d'aller là, et vous allez me dire comment on ajoute des amis, comment on fait. Alors il suffira de se créer un compte Epic Games sur votre ordinateur portable, ou votre ordinateur tout simplement, sur votre téléphone avec un compte Epic Games, et puis vous pourrez ajouter vos amis en avec leur petit gamer tag, les ajouter, et il suffira aussi d'associer vos comptes Epic Games avec vos comptes Xbox One, où vous avez par exemple tous vos persos si vous voulez les garder, etc. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo en plus pour vous expliquer comment faire pour associer un compte Xbox One, PS4, PC avec un compte Epic Games, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en me le faisant savoir en likant. Sinon je pense bien vous avoir expliqué comment faire pour jouer avec d'autres joueurs, des amis Epic Games, donc pour jouer avec plusieurs plateformes. Pour ma part je serai sur Xbox One, donc c'est pour ça que je vous montre la manette, etc. Comme vous avez sûrement pu vous en douter. Et donc du coup voilà, je pense qu'on aura bien fait le tour de cette petite vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. On me l'a beaucoup demandé, mais je voulais vraiment vous la faire en étant sûr que ça fonctionne bien, pas vous faire une vidéo excusez-moi, des réponses un peu fausses, avec des choses où je ne suis pas tout à fait sûr. Là je suis sûr de ce que je dis, pratiquement sûr à 99%. Du coup bah voilà, ce sera tout pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir vu. Si vous voulez que je fasse le tuto pour associer les comptes PS4, PC, Xbox One à votre compte Epic Games, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en me le faisant savoir en likant cette vidéo. Je compte sur vous pour partager cette vidéo à vos potes qui aimeraient le savoir, ou pour leur faire découvrir. Et je vous dis tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ciao ciao les gens, et merci à tous.